Hey, 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 salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge. J'étais en bug parce que la petite qui est dormée est retournée se coucher. Tandis que nos amoureux continuent de faire leur petite crapulade. Oh. Parce que voilà, je leur ai demandé de refaire un bébounet. Ouh là 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 là. En tout cas, bon ben, et je peux déjà vous dire que mademoiselle est enceinte. Alors attends, tu vas admirer ton nouveau bien parce que toi, tu es en kiff là-dessus. Tu vas aller faire ton pipi, puis te laver les mains en revenant pendant que Joséphine s'occupe de Albert. Elle en peut plus non plus, hein, la pauvre. Tiens, tu vas l'allaiter aussi avec ça. Voilà. Ah ouais, punaise. Elle est à peine elle dort qu'elle doit se lever pour le petit, quoi. Et voyez, elle est enceinte. Voilà. Troisième enfant. Comment c'est? C'est quoi? Tu es qui, toi? Dis donc. Adita Chandran. Bon, déjà, t'es d'époque, c'est sympa. J'avais dû le relooker. Parce qu'en fait... Vu que j'avais viré tous les foyers, j'avais créé des foyers moi-même, plus ou moins en fait, avec les habits d'époque. Il y a d'autres foyers qui se sont ajoutés dans le jeu et je les avais relookés pour pas faire trop bizarre, pour qu'on soit vraiment plongé dans l'ambiance de l'époque, quoi. Voilà, Albert. Il va bien, il va pouvoir faire dodo. Pierre-Nard, il va se laver les mains et puis tu vas aller se coucher. Ou alors... On leur demande de refaire un gosse. Est-ce que, comme ça, on est sûr d'en avoir un? Ou voir plusieurs. Mais bon, elle est déjà enceinte, donc c'est pas... Mais non, va pisser! Oh, elle est buggée, cette Sims. 5h30 du matin. Va pisser! Ah non, là, t'exagères, hein. Tu fais pas ce que je te demande, hein. Allez! Oh là là. Promis, quand Louise aura grandi, je vous installerai un toilette. Voilà, allez, maintenant tu viens ici. Pierre-Nard, il dort. Il a raison. Hein. Il a raison, le petit. Allez, tu vas essayer de faire un bébé avec Joséphine encore une fois. Comme ça, on commence bien l'épisode. Même si elle est déjà enceinte, ça peut en mettre un deuxième dans le bidon. Le petit noubou dans le bidonnet. Allez hop! Au charbon, les amoureux! On remet un couvercle, ça fait quand même la troisième fois de suite que je leur demande, il me semble. Est-ce que feu d'artifice, à mon avis, comme ils sont claqués l'un et l'autre, ça va pas être GG. Là, c'était plutôt agréable. On va voir ce qu'il faudra pour la suite. Ah si, toujours les feux d'artifice. Eh ben, parfait pour eux. Le courrier était distribué. Facture de 809 simflouz. Franchement, pour pas d'électricité, et on a à peine une baignoire depuis le dernier épisode. Oh, les plantes. Et bref, franchement, pour le... C'est un peu dégueulasse, quoi. Bon, la pauvre, elle pue la mort. Et elle est vraiment enceinte, quoi. Alors, c'est Joséphine qui se réveille en premier. Va prendre un bain, ma belle. Ouais. Tu pues. Tant que tu peux, que le reste de tes mômes sont en train de dormir, ou presque, ils sont calmes, prends du temps pour toi. Ensuite, tu prépareras le petit déjeuner. Servir le brunch. Ouais. Des toasts avec œufs. Puisque toi, tu as faim. La course est lancée entre Pierre-Nard et Louise. Lequel des deux va se lever en premier? Pendant que Joséphine fait le petit-déj. Chef cuisinière compétente. D'accord. Écoute, si tu le dis, hein. Bon, je vais faire lever Pierre-Nard parce que lui, il a faim.
Il a faim comme il faut. Tu vas prendre une portion. Moi, Joséphine, voilà, elle se remet. Ah, bah voilà, Louise se réveille aussi. Ma pépette peut venir là. Et est-ce qu'elle peut prendre... Prends une portion pour Louise, effectivement. Perfect. Perfect. Regardez-moi cette petite famille. Est-ce qu'ils sont mignons tout plein? Trop mignon. Vas-y, tu vas pouvoir donner une portion à ta fille. Félicitations pour son nouveau nom. Merci. Albert, il a pas beaucoup dormi là. Il devrait dormir après. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est servie elle-même? Elle a parlé à son papa? Compétence déjà niveau 3, communication. Ah bah voilà Albert. Qu'est-ce qui se passe encore dans cette maison? Oh là là, j'en ai marre. Tiens, tu vas poser Louise ici. Et tu vas donner... Je suis sûre qu'on peut pas la mettre, cette putain d'assiette, sur le... Ah si, on peut. Bon bah voilà. Oh là, ça déconne. Hein. Il y a comme un truc qui déconne, hein, on va dire. Allez, tu installes Louise. Voilà, Louise, elle va manger comme une grande. Et toi, tu vas t'occuper de ton fils. Tu vas changer sa couche. Tu vas l'allaiter. Et tu vas le bercer. Et tu vas le babiller. Le petit Albert. On a hâte de voir à quoi il va ressembler, hein. Est-ce qu'il va ressembler à maman? Est-ce qu'il va ressembler à papa? Est-ce qu'il va ressembler au facteur? Est-ce qu'il va ressembler au voisin? Nous, on sait que c'est pas vrai, hein. Qui veut pas faire avec le voisin ou le facteur, quand même. En parlant du facteur, d'ailleurs, Pierre-Nard. Pierre-Nard, non. Pierre-Nard, non. Tu vas prendre un bain rapidement. Pierre-Nard, non. Oh, c'est pas vrai. Tu vas payer tes factures. Oh là là, et tu vas t'occuper du jardin. Oh là là, il y a plein de choses à faire dans le jardin. Plein, plein, plein de choses à faire. Tu vas faire évoluer pas mal de choses. On va se faire un pognon assez monstrueux. Bah, déjà, on s'en sort bien avec 8000 simflouz, là, tranquille. Joséphine, bah, tu vas ranger le manger du coup. Voilà, tu vas pouvoir relâcher la petite. Comment elle va, la petite? Est-ce qu'elle a besoin de quelque chose? Ça va. Tu vas nettoyer ça. Tu vas ranger ça aussi. Tu vas la changer tenue. Normalement, je peux. Non, je sais plus. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas apprendre à parler. Ce sera pas mal. Bon, Pierre-Nard, ça suffit le bain. T'as plein de choses à faire. D'accord, on a une baignoire, c'est génial. Mais non, là, tu iras, tu te rhabilles. Ah, il est en décontracté aujourd'hui. Hein, tranquillement, il va aller faire le ménage. Il va aller faire le jardin tranquillement. Voilà, tandis que... Joséphine apprend à parler à sa fille. Les factures sont payées. C'est vrai que je lui ai fait faire apprendre un merci et pardon alors qu'elle savait pas parler, donc c'est un peu débile ce que j'ai fait. Mais enfin, c'est pas très grave. Pierre-Nard et ses plantes. Le bonheur. Et tu vas refaire de l'insecticide parce que là c'est le bordel. Là il y a beaucoup de taf pour le jardin. Beaucoup. Et il est tout seul donc il va pas pouvoir faire grand-chose. Il n'y aura pas d'aide. Joséphine n'est plus disponible. C'est comme ça la vie. Les priorités. On commence à se faire compliqué pour Joséphine parce que là, elle doit aller aux toilettes. Elle est hyper fatiguée aussi. Donc,
Je vais lui faire fertiliser et je vais lui faire faire une sieste dans l'eau de buisson. Elle a besoin de récupérer un peu. Louise, elle va bien. C'est très bien. Tu sais quoi? Tu vas aller toute seule sur le pot parce que tu sais faire maintenant. Et après, tu iras jouer à la poupée. Comme une grande fille. Du coup, tu sais parler. A appris des mots. Essaye d'apprendre à parler. Est-ce que je vous ai déjà dit mes mots? Je connais plein de mots. C'est mignon. Et Pierre-Nard, lui, toujours avec le boulot du jardin, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de taf. Mais il avance là, il a déjà tout arrosé. Il pulvérise. Est-ce qu'il y a rien à désherber pour l'instant? Non, c'est plutôt pas mal. Il y a encore quelques évolutions à faire. Et puis, non, c'est celle-là. Je crois qu'on est bien. Et après, tu pourras tout récolter. Ah si, il y a des désherbages à faire. Attendez, tu vas faire désherber avant de récolter, parce que... Ah, t'as encore des évolutions. Je me trompe, je dans mes trucs. Voilà, tout récolter. Alors... Joséphine est partie dormir dans le buisson. Elle a même pas été aux toilettes! Oh là là! C'est trop drôle. Elle dort dans le buisson, quoi. Ça, elle aura pas loin à aller quand elle se réveillera pour aller pisser, quoi. La pauvre! Allez! Mets-vous aux toilettes, fille! Sieste dans un buisson en dernier ressort. Ouais. Bon, allez, va pisser, te pisse pas dessus, hein. Tu nous l'as déjà fait ce coup-là. Voilà, ça remonte, ça fait du bien. Par où ça passe? Il y a pas mal de choses à faire à la maison. Tu vas nettoyer le pot. Tu vas dégager la nourriture gâtée. Elle est où la petite? Oh, elle se balade dans les fleurs, elle est partie voir son papounet. Papounet, qu'est-ce que tu fais? Il parle à des plantes! Mais il est fou, mon papa! Il est fou! Et Albert, il est méga calme! C'est trop bizarre, quoi! Il a rien dit de la journée, quasiment! Il dort pas. C'est flippant! Ouais. Bon. Et tu commences à avoir un peu faim. Est-ce que Pierre-Nard a faim? Non, lui ça va, elle ça va. Donc toi tu vas juste manger pour toi-même. Qu'est-ce qui reste? Oh, allez, tu vas manger ton yaourt là parce que... Ça te fera du bien. Ah oui, on va faire les grenouilles. Tant qu'à faire. On va gagner encore un peu de sous. Voilà. Et Pierre-Nard va vendre les grenouilles. Ça, c'est fait. Il va... Non, tu vas pas jouer à la poupée, non, Pierre-Nard. Enfin, déjà, c'est plus trop de ton âge, tu sais. Je t'ai laissé faire, mais de base... Ah, il y a encore une plante à évoluer. Oh. C'est laquelle? Celle-là. Oui. Ça va aller, ça va aller. On va s'occuper. Le jardin, il va être super. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange son yaourt. Elle regarde la petite. La petite, ça va. Est-ce qu'elle sait parler du coup? Un livre, s'il te plaît. Amical. Montrer le jouet à Joséphine. Demander un dessert. Oh! Ça serait trop mignon. Je vais lui faire. On va lui demander un dessert. Est-ce qu'elle est charmeuse? Alors elle peut demander un dessert comme ça en étant charmeuse? Ah, d'accord, la réaction. Tu peux aussi nettoyer. Elle va lui donner, hein. Elle va la mettre dans la chaise haute. Hey, Zou. Hop là, Fifi. Voilà, tu vas manger quoi? Des biscuits animaux.
Ça va. La petite famille, peut-être qu'il faudrait qu'elle prenne un bain, la petite, mais pour l'instant, on n'a pas trop besoin. Il va devoir aller aux toilettes, mais d'une force, lui. Il n'y aura pas le temps de dire quoi, de dire ouf, hein. Larkin, Mouche, Delso, Tribs, Iba, Inja, Inja. Parler de ta journée. Alors, je me suis levée. J'ai pas eu le temps de faire grand chose parce que je me suis occupée de toi et tout. Puis je suis claquée là et puis j'ai envie d'aller me coucher. Ouais, qu'il est l'heure aussi, hein. 21h. Ouais, elle est mignonne, hein, la petite. Ah, Albert dort enfin. Quand même. Mais il a pas été chiant. Il va surtout être chiant la nuit, j'imagine. Ouais, elle avait déjà envie de dormir. Bah ouais, mais ma belle, ça va pas être possible, hein. Mange tes gâteaux, toi, cocotte. Parler de sa couleur préférée. Ah, c'est le rouge, sa couleur préférée. Parler de princesse. Oui, alors nous, on s'en fiche, hein, on veut pas de... Ah bah voilà, Albert! Petit Albert! Il va bien manger avant de qu'on aille se coucher. Comme ça, on sera tranquille. C'est bientôt l'anniversaire d'Albert, déjà! Rapide, ce garçon. Oh. Alors, normalement, pour la grossesse, ça va se déclarer dans la matinée. Niveau 7 pour Joséphine. D'éducation, déjà. Pendant que Pierre-Nard est toujours avec son jardin. Mais là, la récolte, elle est à donf, là. Donc on va se faire un pognon assez terrible. Joséphine, elle s'occupe de la petite. Alors là, c'est un petit peu... Pardon. C'est très mignon. Tu vas laver ça. Ensuite, elle a besoin de quoi? Elle va bien. Tu vas la laver. Tu vas lui faire un bain et tu vas lui lire une histoire pour qu'elle s'endorme. Ça, tu seras... Bah, il est tard, là. C'est passé super vite, la journée. Allez, arrête! Arrête. Si, oui, donnez un bain. Zut! Zut! Oui, donnez un bain. Allez. Pendant que Pierre-Nard, il continue avec son jardin. Ça y est, il va enfin pisser. Ouh! Ouais, le jardin, il est pas encore nickel. Tu dois encore récolter des trucs. Mais bon, à mon avis, il devait se retenir de ouf. Ah oui, elle lui donne pas de bain. C'est pas grave. Ce sera pour le lendemain. Ah oui, bah, elle veut du sucre. Elle a mangé du sucre. Alors, elle est colère. Elle est colère, Louise. Hein, elle est colère. Oh là là, j'allais faire le dîner. Mais non, alors lui, tu vas... Non, il va juste regarder sa fille, ça va. Mais t'as Albert qui s'est mis à pleurer. Ça, je l'avais dit qu'il allait être chiant la nuit. Il n'a pas encore compris qu'il fallait dormir des fois. Servir le dîner. Alors, un truc... Ben non, il y a encore les poissons, là. Ça me fait penser. Hop, les poissons. Prends une portion de poisson. Pierre-Nard. Non, non, Pierre-Nard. Pierre-Nard, tu prends... Mais j'en ai marre qu'ils font toutes les actions que je leur demande pas, hein. Hop. Une petite part de poisson. Une petite part de poisson. Et après, ce sera dodo pour tout le monde. Ah. La journée est belle. Bah oui. Allez, et tu sais quoi? Nous, on est ambitieux. Tu manges ton assiette, ma jolie. D'ailleurs, bon. Attends. On va... Tu vas envoyer un baiser, juste. Lui aussi. Il va faire genre, je te drague un peu, ma femme. Voilà. Et puis, ils vont refaire un petit bébé. Bah oui, hein. Elle l'est déjà, mais tant que c'est pas déclaré, on peut essayer, hein. Quand même. Ça y est. Et donc c'est long, hein, pour leur faire faire les actions. Mais... Ah, c'est toujours pas...
Ce que je veux faire, ça fait au moins 5 fois que je lui demande de faire ça et rien quoi. Allez, il est 2h30 du matin, vous êtes encore crevés, vous n'allez pas savoir vous lever. Allez, zou! Zou les gosses. Hop, hop, hop. Pour peu qu'Albert il vienne gueuler en plein milieu des ébats. Donc ça va pour l'instant, il se tait, mais alors Joséphine, elle est encore en sale état. Séance crac-crac agréable. Voilà. Et pour l'instant, pas de grossesse à déclarer. Hey, manger pour deux. Deuxième trimestre en 23h. Donc 23h, il devait être 4h. Dans les 4h du matin, on se note ça pour la future naissance. Bon, bah voilà. Elle est déjà debout. Bah, va vite fertiliser ton buisson, ma belle. T'es en sale état. Hein. On n'aura pas le temps de te faire faire un bain, donc tu vas faire un express lavabo. C'est pas Pékin Express, chez nous c'est Lavabo Express. Bon, Albert était calme, il a rien dit. Et après, tu iras dormir de nouveau. J'espère que tu auras le temps. Non, 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 Pierre Nard, ne dis rien. Viens ici, mon ami. Non, non, tu t'occupes pas du petit. Tu viens là. Pierre Nard. Je sais que t'es gaga d'avoir un garçon. Ah. Elle aura pas le temps. Ouais, elle va le nourrir et elle va le bercer. Tandis que lui, il attend patiemment. Qu'est-ce que tu pourrais faire, mon petit Pierre Nard? La nuit n'est pas finie. Non, 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 non. Non. Allez, Zou. Elle va s'occuper du petit. Elle va faire quoi? Elle va le bercer. Non, parce que c'est vrai que nourrir et allaiter, c'était pas ce que j'avais demandé en premier. Ah, ce jeu, il aura ma peau. Ouais, va admirer ton truc et puis va dormir de nouveau. C'est le petit a arrêté de gueuler. Elle se sera un peu remontée les, comp les, enfin, les compétences, mais les niveaux. Donc elle pourra retourner se coucher un petit peu. Avant que ce soit. Oh là là, mon Dieu, Louise va bientôt se réveiller. Elle va plus au pouvoir, Joséphine. Elle sera lessivée, quoi. Faire des gosses sur gosses. La pauvre. Hein. Et voilà. Ah bah alors là on a le combo ultime. On a Albert qui pue. On a Louise qui pue. Maman, elle vient de se coucher. Bon. Bah toi, tu vas prendre un bain rapidement. Après, tu iras aux toilettes et tu vas t'occuper du jardin. Je pense que là. Tiens, bah non. On va pas arroser, on va entretenir le jardin parce qu'on a l'interaction qui fera que tu feras tout d'un seul coup. Maman, tu vas t'occuper de Albert. Bah ouais, parce que c'est le plus près, donc tu t'occupes de lui en premier. Voilà, une petite couche sale en moins. La petite, elle crie. Est-ce qu'elle pue? Ça va aller, voilà. Le petit, il va bien. Maintenant, tu vas t'occuper de Louise. Oh, c'est trop chou. On la sait tendrement. Illuminer la journée. Elle a besoin de quoi? Elle a pas trop trop faim, mais elle a surtout besoin d'un bain. Mon Pierre Nard, niveau du bain, tu peux. Environnement lassant. Allez, hop, dégage à la baignoire. On en va en avoir besoin avec pour Louise. Enseigner les besoins de base. Ouais, non, on va directement donner un bain à Louise. Comme ça, ce sera fait. La convention geek, c'est très d'actualité pour le Ticket Challenge. Voilà, la choupette prend son bain. Elle va être toute jolie, elle va sentir bon tout ça. Pauvre Joséphine, elle commence à pas être bien là. Je sais pas comment elle va finir la soirée, la journée encore. Hein. Ça va être difficile. Allez, Zou, sors de ton bain. Va faire une petite siestoune, vraiment toute petite.
Pendant que... Voilà. Oh là là, le lavabo est dégueulasse. Tu vas aller nettoyer ça après et tu vas servir surtout le déjeuner qui sera poupoupou, des macaronis au fromage. Allez, ça sera bien pour tout le monde. Tout le monde sera content. Ce Pierre-Nard, lui, il bosse le jardin, mais il va commencer à avoir faim aussi. Oh, le jardin est nickel. Vous voyez qu'il bosse bien. Il a encore envie d'aller jouer à la poupée. Hein. Je sais pas ce que ça, la maison poupée. Chez les Sims, c'est quelque chose quand même. Ils en peuvent plus, veulent tous y jouer. Par contre, au niveau évolution, tu le fais pas automatiquement, j'ai compris. C'est chiant ça, parce qu'il faut repérer la plante. Non, c'est celle de... Non, je sais pas. Bon, bref. Tu vas y arriver, Pierre-Nard. On croit en toi. Pierre-Nard qui vient voir sa fille, qui vient lui raconter une histoire drôle. C'est mignon. Parler de sa journée. Faire connaissance. Oh oui, parce que là, elle est colère, ça y est. Joséphine! Allez, Joséphine, arrête. Tu vas te mettre au fourneau, là, faire à manger pour la familia, parce que... Parce qu'il y a besoin, quoi. Ils vont tous mourir de faim. Tu sais bien que ton mari fait pas manger, ta fille, elle est incapable de le faire. Cas, Albert, lui, il est fait dodo, donc c'est bien. Mais ils sont mignons, tous les deux, hein. Peut-être que le petit Albert, il sera blond aux yeux bleus, comme son papa. On verra. C'est Joséphine a fait les pâtes. Et la petite famille va pouvoir aller manger. Bah, Pierre-Nard? Mais non. Elle est à table et elle a compris, mais pas Pierre-Nard. Donc tout va bien. Il y a un truc qui déconne, hein, encore une fois. Ouais, choupette. Oh! Très bien. Bon, effectivement, on ira se servir toute seule. Hein, là, pour le coup. Pourra pas lui donner dans la chaise haute. Ah oui, au fait, partagez la grande nouvelle. Oh, Pierre-Nard, j'ai un oubou encore. Vadish, un oubou? Dis-le pour ton oubou, allez. Oui, un oubou. Oh bah il est content. Tout va bien. Chez les deux Saint-Paul, on est ravis d'avoir des enfants. Bon, elle a fait le ménage. Ça l'a divertie, elle aime ça. Tu rangeras ça, du coup. Albert, il est réveillé, mais il est assez calme dans l'ensemble, hein, on va pas se plaindre. Louise, elle mange toute seule. Ah bah, juste quand je dis ça, bien sûr, plus rien ne va. Tu vas aller le nourrir, tu vas aller le bercer, tu vas aller le babiller, s'il te plaît. Alors, Joséphine, elle a fait toutes ses tâches ménagères. Ah bah tu vas prendre encore à parler? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont des fois, je comprends pas. Donc du coup, tu vas pouvoir éduquer ta fille maintenant. Hey hey yo. Bah ouais. C'est comme ça. On va te apprendre un peu à parler. Tant qu'à faire. Ça fait comme bêtise. Comme ça, après aussi, le temps qu'Albert grandit, ça sera bien, Louise. On n'aura plus trop à la gérer. Enfin, elle aura été bien éduquée. Oh punaise, elle a... Oula! Téléportation! Bon, qu'est-ce que vous foutez, les deux? D'accord, c'est super. Vas-y, mets-y du tien aussi, Louise, parce que là... D'accord, voilà, elle lui apprend. Très joueuse, mais tu me fais peur aussi. Faudrait pas que tu sois... Oh là là, tout le positif. Elle aussi, elle est bien. T'as besoin de quoi? Allez, tu as vu aller sur le pot, d'accord. Demander un dessert à Pierre-Nard, dire n'importe quoi à Pierre-Nard. Elle veut parler à son papa. Hein. Après, tu iras sur le pot. Si t'as envie d'aller sur le pot. T'apprends à parler avec maman un petit peu. T'apprends des nouveaux mots. Et puis après... Maman, après, elle ira faire une sieste.
Mais elle se marre. Ça a l'air d'être rigolo d'apprendre des mots quand même. Il a l'air d'avoir des mots rigolos à apprendre. On peut pas le savoir ça. Bambin rigolo a appris des mots. Je connais plein de mots, effectivement. Et Pierre Nard, lui, il arrête pas de faire des baignoires. On va être riche. Je sais, je dis ça tout le temps, mais on est à... Oh, quand même 6900. C'est un peu baissé, mais c'est normal parce que je lui ai demandé de faire plusieurs baignoires. Donc, mais après, on va les revendre et ça, ça va être bien. Avec toutes les plantes qu'on a récoltées aussi. Ah, 37 simplous. Aïe, 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 aïe. Ouille, 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 ouille. On va être plein de pognon. Ah, Albert s'est réveillé. Tu vas lui faire un... Oui, je sais, ma belle. Mais tu t'occupes de lui. Et rien. Après... Ah, tu voulais faire une sieste. Est-ce que tu peux faire une sieste? Ça sert à quoi? Il va être 20h. Je pense pas que ce soit utile que tu fasses une sieste à cette heure-là. Mais bon, tu peux lui parler? Tu peux lui faire une grimace? À ton fils? Bah oui. Comme ça, après, tu fais le dîner et tout, et puis après, vous pourrez aller vous coucher, quoi. Ouais, elle est partie faire, faire pipi. En plus, tu pourras aller la coucher aussi, la petite. Donc, c'est bien. C'est parfait. On est bien, on est bien. On est même très bien, finalement, vous voyez. On s'en sort, hein. Des fois, on commence mal l'épisode, et puis... tu vas modeler de l'argile, tiens. Ça va te faire du bien. Bon, après, quand les enfants seront tous là, ça va être un peu plus compliqué. Louise. Voilà. Louise, elle est bien, maintenant. Tu peux venir là, Fifi. Pierre Nard, il fait encore une baignoire. Qu'on vendra après. Ouais, elle va de nouveau avoir faim, donc... Tu vas pouvoir illuminer la journée et... Oh bah, tu peux plus la féliciter. Tu vas l'enlacer tendrement. Voilà, elle modélise de l'argile, elle est contente. Pierre Nard, qu'est-ce qu'ils... Ils ont quoi à regarder, là? Je comprends pas tout, mais bon. Pierre Nard, bah c'est bien, tu vas pouvoir rentrer à la maison. Tu vas pouvoir aller faire pipi, te laver les mains. Elle va aller se coucher? Parler, baby, d'accord. Bah maman, tu vas lui lire une histoire pour qu'elle s'endorme aussi, comme ça, au moins ce sera fait pour de bon. La petite, elle commence à être fatiguée. Voilà, on va recommencer à récupérer des horaires un peu normaux. Tu vas sortir le manger, des boulettes. Tu vas prendre une portion. Ah bah non, elles sont gâtées. Bon, c'est génial. Ouvrir. 4 jours. Ok, on va faire ça. Tu vas manger les toasts avec les œufs. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde sa fille. On va reproduire les grenouilles. Puisque nous le pouvons. Voilà. On va donner la grenouille à papa. Mais il joue au téléphone, lui. Non, 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 non. Tiens, vas-y, tu t'assois. Et les grenouilles, on va les vendre. On va les vendre, c'est ici. Oh là là, je perds la boule, moi. Je sais plus ce que je fais. Ça, c'est fait. Lui, il veut admirer ses nouveaux biens aussi, non? Il veut pas, il peut pas. T'as besoin de quoi, mon gars? Non, t'es bien. T'es bien, t'es à peine fatigué. Ouais, voilà, occupe-toi. Non, mais... Raconte-lui une histoire, là. Arrête avec ton argile. Tu vas être fatiguée, ma belle. T'auras pas le temps de manger et tout. Tu me fatigues. Puis surtout, il faudrait que... Non. Faut que tu es vide. Parce que c'est dégueulasse. Pierre Nard, lui, il va bien. Bon, allez, on va vendre ce qu'il a dans ses poches. 922 simflouz. Par ici, les fraises. Ça, on s'en fout, ça sert à rien. Les 8 fruits du dragon. Mais, s'il vous plaît, 296 simflouz. Les 60 jacinthes, on en a pour 602. Barre-toi. Et on a je sais pas combien de mufliers, on en a pour 1500.
C'est l'anniversaire d'Albert. Très très bien. Mais, lire pour l'enfant. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Joséphine? Oh, elle fait de la merde. Tu peux lire, s'il te plaît, en attendant, Pierre-Nard. Elle se pleure de rire, la pauvre. Ouais, je sais, mais tu fais n'importe quoi, tu fais pas ce que je te demande dans l'ordre, donc forcément. Après, t'iras manger, t'iras fertiliser et t'iras dormir, parce que là, je pense que t'es au bout du bout, hein. Il était quand même 21h quand la petite devait se coucher. Il est quasiment 23h. Bon, tu me diras, elle se lèvera plus tard le lendemain, ce qui est pas plus mal. Voilà, elle dort. Là, on est tranquille. Joséphine, elle va continuer à faire ses tâches. Le petit caca à sa fifille. Dans le petit sac plastique qui n'existait pas à l'époque. Et puis, Arnaud, il est tranquille. Oh, ouais, moi, ça va. Je suis bien. Tu lis. Tu peux profiter du feu aussi, tiens, tu vas te réchauffer un petit peu. Je tiens à dire que la cheminée fonctionne depuis le premier épisode et que pour l'instant, on l'a jamais éteint. Voilà. C'est-à-dire que c'est la même bûche depuis le départ qui fonctionne et... c'est une super bûche, quoi. Vous connaissez Superman, tout ça, ben nous, c'est super bûche. Oh là là. Elle était en train de doucement se remonter et là... Et Albert qui se met à pleurer. Bon, eh ben, elle ira pas se coucher tout de suite. Hein. Elle ira le nourrir avant. Et le bercer. Bah oui, c'est comme ça la vie. Pendant que Pierre-Nard il lit son petit bouquin, il va se réchauffer. Une fois que le petit sera mis d'aplomb. Ce sera Doudou. Allez Joséphine, courage. T'y es bientôt. Voilà. Ouais. Tu vas pouvoir aller dormir après, Joséphine. Enfin. Lui, il se réchauffe et après, Dodo. C'est calme quand l'enfant se tait. Très calme, très agréable. Voilà, tu le berces un petit peu. Le petit Albert. Je pense que dans le prochain épisode, il deviendra bambin et on aura l'accouchement. Du troisième enfant. Oula, pas trop vite. Parce que je voudrais pas qu'il se passe des choses. En tout cas, moi, c'est sur cet épisode. Ce maintenant que je vous quitte. Je vous souhaite très bon moment pour d'autres épisodes sur YouTube. N'hésitez pas à me laisser un petit mot. Ça me fait hyper plaisir. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour la suite du Ticket Challenge. Allez, salut.